La voiture s'arrête, la porte s'ouvre et le docteur en sort. Il tombe à quatre pattes dans la poussière et vomit les quelques gouttes d'acide gastrique encore présentes dans son organisme. Il a posé sa main sur quelque chose de collant. Il sent un insecte se mouvoir sous sa paume. Derrière lui, la portière claque et une paire de bottes se dirige vers lui. Le traducteur qui l'accompagne ne lui tend pas la main pour l'aider à se relever. Ce fut un long voyage en voiture avec de nombreux arrêts du même type. Heureusement, celui-ci sera le dernier. Le docteur se relève doucement et examine les environs. Il se trouve dans un petit village perdu au milieu des bois. Il ignore l'heure qu'il est. Les vols, le décalage horaire et les trajets en voiture ont bouleversé ses rythmes circadiens. Il sait qu'il est en Chine, dans un endroit très reculé et champêtre. Durant son voyage, il a essayé son téléphone, mais il n'a plus de réseau depuis longtemps. Mais une chose est sûre, nous sommes au beau milieu de la nuit. Les phares de la voiture sont la seule source de lumière dans le village, et il n'y a personne pour les accueillir. Le docteur se débarrasse de la poussière sur lui et se tourne vers son traducteur. Celui-ci fait un signe de tête en direction d'une petite cabane située au fond du village, tout juste hors de portée des phares. Son traducteur est un homme peu loquace, à la fois ironique et très peu serviable. Le docteur ne connaît pas un mot de mandarin. Sans rien dire, les deux hommes s'approchent de la cabane. Le docteur s'apprête à frapper, mais son traducteur le devance et ouvre la porte. À l'intérieur, il y a juste la lueur d'une lampe. Tout ou presque est noyé dans l'obscurité. Il fait presque assez sombre pour qu'il ne puisse pas voir les toiles d'araignée. Presque. Il y a des fils de soie partout, sur les murs et les objets de la petite cabane. Par endroits, il est même impossible de distinguer le meuble qui se cache sous les toiles d'araignée. Le traducteur, fasciné, tend la main pour toucher l'une des toiles, mais le médecin lui saisit le bras en secouant la tête. Il lui tend un masque et une paire de gants jetables. Agacé, le traducteur les prend mais ne les enfile pas directement, et choisit plutôt de s'enfoncer plus profondément dans la cabane. Après un instant, le docteur le suit, mais il ne peut s'empêcher de penser que quelque chose cloche. Il manque quelque chose. « Là !» dit le traducteur. C'est le premier mot qu'il ait dit depuis des heures. Il se tient derrière un petit rideau et regarde quelque chose. Le docteur le rejoint et se sent presque mal à cause de la puanteur. Il y a un homme émacié allongé sur le lit. On dirait qu'il n'a pas mangé depuis des jours. Ses poignets et ses chevilles sont fermement attachés au lit, tellement serrés en fait que son sang ne circule plus. Le docteur voit tout de suite les signes de gangrène sur ses paumes, mais c'est trop tard. L'homme ne bouge pas. Il ne respire plus. Le pire, c'est qu'il doit être mort depuis un moment déjà. En guise de linceul, des toiles d'araignée recouvrent sa peau blafarde. Le traducteur marmonne quelque chose en mandarin. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour déceler la frustration dans sa voix. Toute une nuit à conduire jusqu'au milieu de nulle part, pour rien. Le traducteur donne un coup de pied sur un tabouret en bois. Le son est étouffé par l'épaisse couche de toiles d'araignée. Et il sort en trompe de la cabane. Mais quelque chose ne tourne pas rond ici. Le docteur ne veut pas partir tout de suite. La toxicologie, c'est son domaine. Poison, toxines, infections, morsures. Mais c'est ça le problème. Il n'y a aucune morsure sur le corps de cet homme. De la tête aux pieds, sous la couche de toiles d'araignée, il n'y a pas de marque d'ecchymose ou de piqûre. Seules quelques veines foncées sont visibles sur le bout de ses doigts en raison de la stagnation du sang. Aucun rapport avec les poisons. Mais il y a autre chose. Une cabane dans laquelle se trouve un cadavre, pleine de toiles d'araignée, mais aucune araignée. Un cri retentit dans la cabane. Le lit tangue violemment. Le docteur regarde avec horreur et constate que le cadavre n'est pas aussi mort qu'il n'y paraît. Il se débat dans tous les sens, essayant de se dégager des liens qui l'entravent. Le docteur appelle le traducteur, lequel arrive presque immédiatement à ses côtés. Le traducteur crie quelque chose en mandarin pour essayer de se faire entendre malgré les cris de l'homme mourant. Mais c'est inutile. L'homme secoue sa tête dans tous les sens et tente d'enfoncer son menton dans sa propre poitrine ou de frapper le sommet de son crâne contre le mur. En vain. L'homme ouvre ses yeux vitreux et observe la pièce, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi qui pourrait l'aider à se libérer de ses liens. Sans réfléchir, le docteur attrape la tête de l'homme et la maintient en place. Il regarde ses yeux en pleurs. Bizarre. On dirait qu'il a des toiles d'araignée sous les paupières, l'empêchant de voir correctement. De petites boules argentées d'un liquide épais s'accumulent dans les coins de ses yeux. Elles sont trop denses et trop troubles pour être des larmes. Le regard des deux hommes se rencontre. En un instant, son corps s'immobilise. C'est presque comme si... comme s'il s'était détendu complètement. L'homme chuchote quelque chose. Le docteur se tourne vers le traducteur pour obtenir de l'aide. « Libérez-moi !» Le docteur regarde le malade. C'est le côté de la médecine qu'il a toujours détesté le plus. À partir de quel moment doit-on renoncer? À partir de quel moment peut-on considérer qu'il est trop tard? Lui appartient-il de prendre pareille décision? En regardant l'homme allongé devant lui, une vague de tristesse l'envahit. Son premier diagnostic était juste. Il est trop tard. Même s'il avait pu traiter la gangrène des membres de l'homme en l'amputant, il lui aurait encore fallu soigner la famine et la déshydratation.
et ensuite le venin des araignées. Sauf que, il n'y a aucun signe de venin. Peut-être qu'il n'est pas trop tard après tout. Avec un traitement approprié, il y a peut-être une chance de... Le poignet de l'homme se casse et se détache comme un gant en os brisé, facile à retirer. Une odeur nauséabonde de chair en putréfaction frappe le docteur comme une gifle en plein visage. Celui-ci recule, horrifié, au moment où l'homme libère à son tour son autre main décomposée. Délivré, l'homme pousse un rugissement bestial. Une fois assis sur le lit, il penche la tête en arrière et se met à la frapper avec ce qui lui reste de main. Les os déchiquetés de ses poignets, tout juste recouverts d'une peau fine comme du papier, s'écrasent à plusieurs reprises sur son front, de plus en plus violemment coup après coup. Le docteur reste figé sur place, à regarder l'homme se fracasser la tête. La peau se déchire et l'on peut voir un os qui se brise. Puis, dans un ultime effort qui semble lui prendre toute son énergie, il se retourne et fracasse son crâne fracturé contre le mur. Un terrifiant silence envahit la cabane. Le docteur fixe du regard le corps. Une image presque comique lui vient à l'esprit. La tête ressemble à un sac en plastique rouge que quelqu'un aurait laissé sur le sol, rempli de morceaux de poterie. Il sourit presque, mais ensuite, les araignées font leur apparition. Une seule au début, puis 10, puis une multitude, puis une éruption jaillissant de la tête de l'homme, comme de l'eau jaillissant d'un barrage qui cède. Des minuscules araignées roses inondent la pièce et se propagent le long des murs, dans chaque fissure et crevasse. Le docteur et le traducteur se précipitent vers la porte. Ils la franchissent en trombe et parcourent tout le village en quelques secondes. Ils ouvrent les portières et grimpent dans le 4x4. Le traducteur enclenche la marche arrière et manque de s'écraser contre un arbre. Il roule toute la nuit, sans parler. Le docteur parvient à contrôler sa respiration, mais son cœur ne cesse de battre la chamade. Il ne parvient pas à se débarrasser des images qui hantent son esprit. Des araignées, de minuscules araignées roses, partout. Le soleil se lève à peine quand le conducteur s'arrête soudainement. Ses yeux sont écarquillés, son visage est d'une pâleur maladive. Il ne dit pas un mot. Il passe sa main dans son dos et en sort une minuscule araignée rose. Le docteur hurle de frayeur et s'empresse d'attraper un flacon pour que l'homme y jette l'araignée. Les deux hommes sont dans la voiture et observent, à la lumière du jour, la petite araignée. Elle semble molle, ce qui est très étrange. Au lieu d'avoir un exosquelette dur et sombre comme les autres araignées, celle-ci semble charnue. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Elle a l'air grasse. Elle semble molle comme les parties du corps les plus vulnérables et les plus sévèrement touchées lors d'un grave accident. Il y a des plis de cellules roses et molles, avec des amas graisseux. Excepté que ça ne peut pas être constitué de ce genre de choses. C'est une araignée. Au fur et à mesure qu'ils l'observent, l'araignée semble comprendre leur intérêt pour elle. Elle se dresse sur ses quatre pattes arrière et lève les autres en l'air. On dirait presque qu'elle fait une sorte de parade amoureuse pour eux. Elle leur tourne le dos et l'on peut voir des points de couleur vive sur son abdomen. Le docteur détourne son regard et constate que le soleil a disparu. La nuit est à nouveau tombée. Il meurt de faim. Mais comment est-ce possible? Le soleil s'est levé il y a seulement quelques secondes. Il a mal à la tête depuis qu'il a pris place dans son avion. Il est désormais quelque part au-dessus d'un océan, après 5 heures de vol, et il sait qu'il ne dormira pas ce soir. Il n'arrive pas à chasser l'image de toutes ces araignées de son esprit. Il doit faire un rapport. Il va le faire, c'est sûr. Mais pas maintenant. Une araignée parcourt le siège en face de lui. Son cœur s'arrête et il se recule violemment dans son siège, les yeux écarquillés. Au sol, des araignées roses, partout. Elles ne sont pas réelles. Elles ne sont pas réelles, ce n'est que son imagination. Il a besoin de repos, c'est tout ce dont il a besoin. Il va rentrer chez lui, attendre que le mal de tête passe, puis il appellera quelqu'un. Mais pour l'instant, il se sent trop fatigué pour faire quoi que ce soit. La montée d'adrénaline due à son hallucination se dissipe rapidement. Il sent le flacon de verre dans sa poche battre de temps en temps, implorant son attention. Il a mal à la tête. Il passe une main dans ses cheveux. Ce n'est pas possible. A-t-il vraiment des cheveux blancs? Contrarié, il porte sa main au front. À sa grande surprise, son mal de tête disparaît presque instantanément. Il se sent plutôt bien. Il reste assis pendant plusieurs minutes à se tapoter le front avec ses doigts et finit par s'endormir rapidement. Toutes ses peurs et angoisses se sont envolées. Sauf qu'elles ne se sont pas vraiment envolées. Une fois qu'il a atterri, il rentre directement à son appartement. Il n'y a pas d'araignée. Comment ça? Ne devrait-il pas y en avoir encore plus? Il désire voir d'autres araignées. Son mal de tête réapparaît. Il prend un verre d'eau, des médicaments, éteint toutes les lumières et tente de faire une sieste, mais n'y parvient pas. Même les tapotements ne fonctionnent plus. Des araignées. Encore des araignées. Il reçoit un appel. Il s'agit d'un numéro étranger. Il prend beaucoup de temps avant de répondre. C'est son traducteur. La voix de l'homme est criarde. Il est en panique. Bien plus que lorsqu'ils ont fui les araignées. Le traducteur n'est pas très clair, il a du mal à s'exprimer de façon cohérente. Rien de tout cela n'a de sens. Le docteur baisse le volume de son téléphone, c'est trop fort pour lui. Il a mal à la tête. Beaucoup trop fort. Le gouvernement sait,
J'aurais dû porter des gants. Trop tard. La douleur. Le plaisir. Utiliser un marteau. Rien de tout cela n'a de sens. Le docteur regarde l'écran de son téléphone. L'appel est terminé. Son téléphone est éteint alors qu'il était complètement chargé il y a un instant. Quelle heure est-il? Et où sont les araignées? Il se frappe la tête, puis un large sourire se dessine sur son visage. Il est au lit désormais. Il y a quelque chose de rouge autour de lui. Son oreiller. Il est maculé de rouge. Est-ce que ça provient de sa tête? Le flacon de verre est sur sa table de chevet, mais il est vide désormais. Comment cela a-t-il pu arriver? Ne se trouvait-il pas dans la cuisine il y a un instant? Il commence à perdre la notion du temps. Lorsqu'il passe sa main dans ses cheveux, une toile d'araignée s'accroche entre ses doigts. Il se place sous son bureau, un marteau à la main. Un sentiment d'euphorie envahit son corps. Juste une fois de plus. 8 fois de plus. Il frappe le marteau contre son front. Les endorphines inondent chaque cellule de son corps. C'est si puissant qu'il manque de s'évanouir à mesure que les hormones du plaisir se propagent dans son corps. De la soie suinte à travers tous les pores de sa peau. Il y a des toiles d'araignée partout dans son appartement désormais. Encore un coup. 8 autres coups. Quelle sensation! C'est tellement! Ses poignets, ses chevilles, combien de membres? 4. Ce n'est pas assez. Cette lumière, où est-il? Des silhouettes se pressent autour de lui. Il a du mal à les voir. Il a quelque chose dans l'œil. Tout semble flou et éloigné. La douleur. La douleur est de retour. Sa tête. Au secours, s'il vous plaît! Il crie et tente de se libérer des liens qui l'entravent. La douleur. C'est impossible. Il doit la faire cesser. Juste un coup. Juste un autre coup de marteau. Ça suffira. Il y a quelque chose dans son œil. Il le sent. Quelque chose qui rampe derrière son globe oculaire. Mais ça n'a pas d'importance. Rien n'a d'importance à part faire cesser cette douleur. Plus de maux de tête. Juste un coup de plus. C'est tout ce dont il a besoin. Le personnel de l'hôpital n'a jamais rien vu de tel auparavant. Ils sont dépassés par les événements. Au beau milieu de la nuit, il est fait en sorte que le docteur soit transféré dans un établissement spécialisé à l'arrière d'une ambulance. C'est un véritable défi de le faire sortir de son lit, car les toiles d'araignée sécrétées par sa peau le maintiennent. Le hasard a voulu qu'un conducteur ivre permette au docteur de réaliser sa dernière volonté. Ne voyant pas le feu rouge, le conducteur fonce à pleine vitesse sur le côté de l'ambulance, la propulsant hors de la route et la faisant dévaler une colline, tuant tous les occupants, y compris le docteur. Lorsque la police arrive sur les lieux au petit matin, elle retrouve le conducteur assis tout seul, en train de fixer un petit insecte près de l'épave. Le conducteur est indemne. Lors de sa garde à vue la nuit suivante, il ne s'est plaint que d'un léger mal de tête. Toute personne qui éprouve ce mal de tête est probablement déjà trop atteinte par son exposition au SCP-632, une espèce anormale d'arachnide surnommée « pensée envahissante d'arachnide ». Des rapports non encore confirmés faisant état de mystérieuses colonies d'araignées ont fleuri à travers l'Asie, en particulier dans les campagnes chinoises depuis plusieurs décennies, en lien avec cette anomalie. En 1972, la population d'une ville tenue secrète de la province d'Anhui a été presque entièrement décimée. Une ville entière de cadavres, chacun ayant le crâne fracassé et sans aucun tissu cérébral. Avec 106 morts et 23 blessés, cette affaire est à ce jour la plus meurtrière des attaques du SCP-632. Aussi étrange que cela puisse paraître, physiologiquement parlant, les SCP-632 peuvent être qualifiés de mignons. Leurs corps sont de texture molle, rose vif et sont en réalité constitués de tissu humain. De tissu cérébral, pour être exact, recouverts d'une couche de graisse protectrice. Comme c'est arrivé à notre malheureux docteur, le SCP-632 se reproduit de manière parasitaire dans le crâne humain. Les mécanismes exacts de ce processus restent flous. On pense que le SCP-632 infecte son hôte humain par une série de signaux sensoriels. Les personnes infectées ont toutes déclaré avoir été confrontées aux choses suivantes. Premièrement, l'observation du motif sur l'abdomen du SCP-632, dévoilé pendant la danse que les araignées font souvent lorsqu'elles sont observées. Ensuite, le contact physique avec le SCP-632. Et enfin, l'exposition à des composés chimiques non encore identifiés sécrétés par le plus ancien des SCP-632. C'est pourquoi la chance n'était pas du côté de notre docteur. Il a été assez intelligent pour porter des gants lors de sa rencontre avec le SCP-632 en Chine, ce qui aurait pu suffire à le protéger de l'infection. Cependant, à son arrivée, lorsqu'il est tombé en sortant de la voiture, sa main a atterri juste sur une toile de SCP-632, où se trouvait une araignée vivante. S'il avait pensé à prendre ses comprimés contre le mal des transports, tout cela aurait pu être évité. Dans les 3 heures qui suivent l'exposition initiale au SCP-632, le sujet commence à ressentir de légers maux de tête, suivi d'une sensation étrange où sa peau se couvre de soie. Au cours de cette période, les IRM ont révélé que de petites structures semblables à des filaments commencent à se former dans le tissu cérébral de l'hôte.
Au fur et à mesure que ces filaments se multiplient et se répandent dans le cerveau, les sujets déclarent développer une obsession pour les araignées. Le tissu cérébral se détériore progressivement, entraînant des changements de personnalité et d'humeur, ainsi qu'un comportement irrationnel. Au cours des jours suivants, les maux de tête empirent, car les cellules filamenteuses exercent une pression sur les vaisseaux sanguins qui tapissent l'intérieur du crâne. Les sujets découvrent qu'ils peuvent soulager cette douleur en se tapotant ou en se frappant le front, ce qui leur procure une sensation agréable car les filaments libèrent des endorphines au moment de l'impact. Cela constitue une partie de la phase finale et sinistre de la reproduction du SCP-632. Après 6 à 7 jours, alors que les maux de tête de l'hôte vont s'intensifier, il se rend compte qu'il doit se frapper le crâne de plus en plus fort pour atténuer la douleur et obtenir cet état d'euphorie. Pour finir, devenu fou à cause des maux de tête, il finit par se fracturer le crâne. À ce moment-là, toutes les araignées en gestation qui se sont formées dans les filaments de son cerveau, dont le nombre est estimé entre 80 et 200, peuvent s'échapper par la fracture. En raison des difficultés spécifiques à confiner le SCP-632, du fait de ses propriétés cognito-hazard, il a été classé Euclide. Une colonie vivante de SCP-632 est actuellement stockée dans l'aile de confinement biologique du site 52. La colonie est enfermée dans une petite enceinte de 20 cm par 40 cm par 20 cm et se nourrit d'insectes et d'eau. Tout le personnel qui travaille à proximité du SCP-632 est régulièrement soumis à un examen de dépistage. Le contact physique avec un SCP-632 est strictement interdit et tous les membres du personnel sont tenus de porter un équipement de protection et un masque lorsqu'ils manipulent des spécimens vivants ou décédés. Toute personne développant des symptômes est surveillée de près, en particulier les maux de tête, la sensation d'avoir de la soie sur la peau ou des pensées envahissantes d'arachnide. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-538, les araignées de l'ombre, juste au cas où vous ne seriez pas suffisamment arachnophobe et paranoïaque. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.